Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une connexion Congo-Côte d'Ivoire, Poison Mobutu 468 featuring Suspect 95. Ça fait plaisir les connexions, franchement, hâte de voir qu'est-ce que ça a donné. Déjà le feat Suspect là, déjà il avait fait le feat avec Pattern Maestro, qui était vraiment sympa à écouter, le style, l'ambiance, le délire aussi, le mouvement également. Et là, on continue, encore une autre connexion de Suspect 95, et on va découvrir ce gars qui s'appelle Poison Mobutu. Il vient du Congo, mais je sais pas s'il vient que du Congo, ou il a quelque chose avec le Zaïre, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose avec le Zaïre, donc je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il avait des titres par rapport au Zaïre. J'ai entendu parler de Crossaï Roi, je sais pas quoi. Ouais, c'est bien ça que j'avais bien vu. Si, c'est bien ça. Roi du Zaïre, Rick Ross Zaïre Roi. Ça date de bien quelques années. Mais je sais pas s'il a quelque chose avec le Zaïre. En tout cas, je vois que le Congo revient souvent, donc je pense qu'il doit être congolais. Et voilà, connexion avec la Côte d'Ivoire. Donc, let's go, 468, ça s'appelle. Visuel a l'air ouf d'avance. Dommage pour le mixage là, t'entends la voix qui est un peu trop basse. On entend même plus l'instru que la voix, dommage sur ce truc là. C'est quoi, même je vais aller regarder sur un streaming si il y est directement Poison Mobutu. Est-ce que il passe mieux en streaming? Déjà la qualité est meilleure parce que le mixage pour la voix a été rectifié. Non, non, dommage. Non, bah autant regarder le clip. En tout cas, connexion Congo-Côte d'Ivoire, ça fait plaisir de voir ça. Et le clip a l'air juste hyper méchant. Même suspect au niveau du mixage de la voix. Attends, peut-être c'est moi. Attends, je vais prendre un autre son là qui tourne là. Par exemple, le dernier son que j'ai fait, à différence de moi, je le vois. C'est un peu dans le fond, hein. Ouais, on est un peu dans le fond au niveau du mixage, hein. Ouais, on est un petit peu dans le fond. Dommage, dommage pour le mixage. Ça aurait été trop bien qu'ils puissent le rectifier en plateforme de streaming. Parce que franchement, le son il est vraiment chaud. Hein. Tu sens une atmosphère brûlante entre les deux en fait. Franchement, hé! Hey, si tu enlèves le petit souci de mixage, franchement, c'est juste très très sombre et très fort musicalement. Le style de ce gars-là qui s'appelle Poison Mobutu. Il a un style un peu très sombre avec une voix assez grave. Tu vois, il a une voix qui est un peu dure. Et tu vois, il a un flow qui est sombre en même temps, tu vois. Je
peux pas le faire deux fois. Mais ouais, juste dans, je m'en ça. Tiens, je vais juste voir dans les commentaires si quelqu'un me parle du mixage ou c'est moi qui suis ouf. Est-ce que ça parle du mixage? Parce que c'est dommage de fou. Parce que franchement, c'était juste parfait. Le son était gigantesque. Et je vais juste voir le son. Tiens, je vais descendre tout en bas. Après, je vais faire la recherche. Parce que franchement, les deux ensemble, ils sont hyper chauds. Franchement, la connexion est totalement. Merci, tu vois. Heureusement, pas mal le projet, mais le son est mal mixé, les gars. Très mal masterisé. Malheureusement, on entend à peine les paroles. On entend même pas les voix. Ça va, je suis pas ouf quand même. Je me suis dit, c'est moi. Ou... Belle prod, on pouvait faire mieux au niveau du mix. Le volume n'est pas bon. Ça va. Et je trouve que même quand je réécoute l'autre. L'autre, non, je sais plus, non, je me suis trompé. En tout cas, ouais, juste dommage sur ça. C'est vrai que c'est dommage, tu vois. Tu sens que les paroles, la voix, elle est dans le fond. Et tu sens que ça. Et même en plateforme de streaming, tu vois, ça n'a pas été corrigé. C'est vraiment dommage. Tu vois, même au niveau de suspect. Ouais, dommage, c'est parce que normalement, tu entends vraiment la voix au devant tout de suite, tu vois. Tu prends un son de suspect, tu vas entendre tout de suite la voix qui est devant, quoi. Tu vois, tu t'entends tout de suite la voix là. Elle est carrément différente là. Et là, tu écoutes. C'est pas assez en avant. Il n'y a pas de clarté. Et voilà, donc ça confirme bien que je suis pas fou. Dommage pour ça. C'est vraiment dommage parce que ça gâche tout, tu vois. Parce que tu t'ambiances grave, mais tu te dis, mais c'est quoi ces écouteurs? C'est les haut-parleurs? Et après, quand tu vois les commentaires, bah ouais, tu crois ça confirme. Donc dommage, franchement. Ça aurait été bien qu'ils puissent peut-être. Modifier le truc parce que franchement c'est rare d'entendre un mix qui est pas mauvais tu vois mais c'est juste au niveau de la voix ils auraient pu faire un effort quand même c'est dommage parce que franchement c'est clean en fait l'atmosphère a l'air d'être vraiment ouf et ouais il faudrait taffer dessus un peu au moins sur les plateformes de streaming que au moins on puisse annoncer voilà que sur la plateforme de streaming le mix a été corrigé et voilà tu vois parce que ça tu vois c'est genre de truc tu vois tout le monde a kiffé en studio tout le monde a kiffé c'est sorti comme ça c'est comme ça ou peut-être qu'à la fin au niveau du mastering ou je sais pas quoi mais en tout cas la voix elle est trop dans le fond c'est dommage parce que franchement ça avait l'air d'être une grosse connexion. De toute façon, le son en lui-même, si tu enlèves le problème de mixage, il est bon, il passe très bien. L'ambiance est bien sombre, même suspect, il fait grave le taf dessus, que ce soit Poison Mobutu ou suspect. Le flow de suspect était vraiment chaud en plus. Avec Poison Mobutu, franchement, c'était un beau feat. Franchement, le son était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Franchement, de fou. Dommage. Franchement, juste si jamais il peut au moins modifier le truc pour les plateformes de streaming, ça aurait été top. Même, je sais pas si jamais tu coupes au niveau du montage en vidéo sur la. Je crois que tu peux le faire en plus, hein. Si jamais tu modifies sur les plateformes de streaming, genre tu mets modifier ici, tu mets montage, est-ce que tu peux modifier le son? Bien sûr, tu peux modifier les sons, tu vois. Donc tu peux rajouter un son et tu peux remplacer. Est-ce que tu peux importer je sais pas si tu peux importer. Non, effet sonore, non. Tu peux importer que sur les. Tu peux importer que de YouTube directement les trucs que YouTube il te donne. Donc non, en fait, tu peux même pas modifier. C'est dommage pour ça. Ouais, dommage pour ça. C'est vrai que tu l'entends surtout. Tu veux pas faire l'aveugle, tu vois. Moi, je suis là pour dire les choses qui vont très bien. Et des petites choses, tu vois. Et là, c'était assez gros, tu vois. Donc, dommage. Dommage parce que franchement, ça avait l'air d'être ouf. Et tu vois, le fait de faire des mixages comme ça ou le mastering, ça dénigre pas, mais ça enlève de la valeur à la qualité du son, forcément. Et ça enlève de la valeur au titre. Et donc, forcément, ça va se voir, ça va s'entendre. Tu peux pas faire l'aveugle. Tu as juste kiffé pour ceux qui sont fans de l'artiste ou de suspect. Mais quand tu es amateur de son, de passionné de la musique, tu vas tout de suite voir la différence. Donc, en tout cas, c'était une très belle collaboration. Le titre en lui-même était très bon. L'ambiance, l'atmosphère était vraiment nickel. Juste le mixage, mastering.
mastering à corriger. Dommage. Et voilà, hein, franchement, c'était chaud. Franchement, je suis déçu, j'avoue. Parce que franchement, le mixage de la voix là, plus de clarté, plus être mis en avant. Peut-être l'instru était trop forte, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était clean. C'était clean. Donc voilà, quand même, force à Poison Mobutu. Parce que c'était vraiment propre. Et Suspect 95 a envoyé un gros couplet aussi. Hein. C'est dommage qu'on le voit pas autant par rapport au mixage. Mais en tout cas, je respecte le travail qui a été fait après. Voilà, mixage, mastering. Ça peut arriver rarement. Bon, c'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses, mais bon, j'espère au moins qu'il va être corrigé sur les plateformes de streaming, tu vois. Même si forcément, si tu l'enlèves, ça va retirer sûrement des statistiques à ce son, forcément, et ça va remettre tout à zéro. Et est-ce qu'il a fait un peu de score? Non, on peut pas trop voir, non. Bon, voilà. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.